Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui était dans la barque et réparait les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'Évangile, bien-aimés de Dieu, bonjour. Le troisième dimanche du temps ordinaire, également connu sous le nom de dimanche de la parole de Dieu, a été institué par le pape François afin d'accroître la familiarité religieuse et assidue avec des écritures au sein du peuple de Dieu. Pourquoi ce jour est-il si important? Parce qu'il entend placer solennellement la parole de Dieu au cœur de la vie de la communauté chrétienne. La parole de l'Écriture sainte est vivante et efficace. Lorsqu'elle est lue avec une attitude de foi, elle nous amène à une rencontre contemplative avec le Dieu vivant et porte du fruit dans nos vies. Il est beau de méditer sur le début de la proclamation de la parole en ce même dimanche. Jésus commence à proclamer l'évangile du royaume au moment où Jean-Baptiste est délivré. Tout sonne comme une prophétie pour sa propre vie. Et pourtant, Jésus ne s'arrête pas dans sa mission de proclamer la beauté de la bonne nouvelle jusqu'au moment de la croix elle-même. Jésus implique une petite communauté de pécheurs dans sa vie en les appelant à le suivre. Marc résume dans ces trois mots, aller à la suite de Jésus, tout le sens de son évangile. Jésus marche et le disciple le suit. Le disciple ne le précède pas, il ne le rejoint pas après, il le suit. Jésus n'est donc pas seulement le modèle, mais le maître qui donne la direction. En Israël, on ne peut pas suivre une personne, mais seulement Dieu et sa parole. L'Écriture dit: Maudit soit l'homme qui suit l'homme. En réalité, notre foi consiste à suivre le Seigneur Jésus, à le suivre afin d'être toujours avec lui, de sorte que l'appel consiste à être en compagnie de Jésus, à être avec lui et comme lui. Jésus nous appelle à être des fils comme lui, à être des pécheurs d'hommes. C'est le but de cette suite. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'homme sous l'eau ne vit pas bien. Il se noie. Alors Jésus dit que ce que vous ferez, c'est de sortir les hommes de l'eau, de les sauver de la mort. Jésus nous fait participer à sa propre mission salvifique, de même qu'il a repêché les disciples dans l'abîme de la mort et les a conduits
sur le chemin de la vie. De même, les disciples sont appelés à être le salut de leurs frères et sœurs. Et ainsi, ils deviennent frères. Et frère est celui qui prend soin de son frère. Et ainsi, il a la vie du Père. Bien-aimés de Dieu, chers abonnés de 3 minutes d'Évangile, bon dimanche et bonne méditation.